Ok les gars, avant de commencer, sachez que le sponsor de cette vidéo vous offre une PS5 et le maillot de votre choix. Donc si vous voulez les remporter, soyez bien attentifs durant la vidéo. Mon gars, si t'es abonné et que la vidéo te plaît, surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification, c'est très très important pour moi. Et si t'es pas abonné, il suffit juste de t'abonner en appuyant sur le petit bouton en bas à droite. Salut, salam, shalom les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une très très grosse vidéo parce que c'est une vidéo, voilà, j'ai l'honneur de la faire, ça fait longtemps que je veux la faire, affronter quelqu'un qui a joué en équipe nationale d'Algérie, c'est Idriss Saïd. Saïd. Ça a dit, ça regardez a dit. Ce gab. Salut. Regardez, monte tes bugs vite fait. Non, attends, monte. Bon les gars, aujourd'hui on va s'affronter, on va se défier gentiment lui et moi. Lui qui m'a DM, c'est lui qui m'a dit vas-y, venez, on s'adonne. J'ai fait vas-y. Je vous lis un truc hein. Sur Wikipédia, ça a dit un joueur physique se servant de son gabarit pour peser sur les défenses adverses, surnommé le taureau. Oh ça y est. Le taureau. Il est adroit devant le but et possède une frappe sèche qui peut surprendre le gardien. Une frappe sèche. Donc là, les bugs là, elles envoient du lourd. Et aujourd'hui, on va voir ça. Joueur de la sélection algérienne. Contre moi aujourd'hui. Let's go. Mais avant de commencer, comme je vous l'ai dit, la vidéo est sponsorisée par Lords Mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lords Mobile est un jeu de guerre gratuit en ligne où tu peux jouer avec tes amis et affronter n'importe qui sur la planète. Pour ça, il y a des héros, tu peux développer ton armée, ton royaume, mais surtout, tu peux aller attaquer n'importe qui. Parce que ce jeu, il est extrêmement populaire et possède une grosse communauté. Il y a des nouveaux modes et des nouveaux contenus quasiment tous les jours. Y compris le nouveau mode Power Defense qui vient de sortir. Et pour la PS5 et le maillot, comment on fait pour les gagner? C'est très simple, ça se passe directement sur le jeu. Pour ça, il faut absolument télécharger le jeu avec le lien qui se trouve dans la description. Une fois installé, une fois que vous aurez commencé à jouer, à chaque fois que votre château prendra un niveau, vous aurez la possibilité de pouvoir tourner la roue de la fortune et du coup d'essayer de gagner la PS5 ou le maillot de votre choix. Mais en plus de ça, les 7 premiers jours de l'installation, vous allez pouvoir gagner des cadeaux tous les jours, et je vous parle pas de petits cadeaux, c'est des gros cadeaux et il y en a énormément. Donc on dit merci Lord Mobile, le lien se trouve dans la description. Moi, je vous explique un peu vite fait la vidéo. Vous avez vu déjà, je me suis mis en mode Mark Landers. On va s'affronter Idriss et moi sur plusieurs défis. On va commencer tranquillement pour un défi appui remise frappe, histoire de se chauffer rapidement. Ensuite, on montera un crescendo avec des contrôles frappe et on finira sur des frappes à 25 mètres. Et vraiment, j'ai hâte de voir le... J'ai hâte de voir ça. C'est pas vrai. Voilà. On a frappé pour rien. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. On se fait virer. Ils appellent la police. Bientôt, il y a Macron qui débarque en hélico. Non, les gars, de base, là, ça sert à avoir fini le défi là. Ça a pas filmé, je sais pas pourquoi, j'ai aucune raison. On va dire que c'est l'échauffement. Je vous l'annonce comme ça, mais ça sert à rien. Mais je vous le dis comme ça, j'ai gagné. Mais après, tu vois, c'est on va recommencer quand même, c'est pas grave, c'est pas un souci. On va lancer la caméra là-bas, on va repartir cette fois-ci. On va en faire, on va en faire 20, on va en faire 10. Et vas-y, on passe en ça, les gars, premier défi du coup. J'ai pas parlé. T'as rien dit moi. Je sais, t'as dit. Ouais, c'est la première, c'est une information. Ok, c'est comme ça. Yep. À 10 pour informer. Jamais. Surtout que tu croyais que c'était la 4-3ème. Non, t'as raison. C'est pas un top but ça. Non, j'aime pas trop. Voilà. Bon, ils ont trouvé maintenant, tu vois. Oh, Coco, la main. Eh ben Coco, t'étais fort juste avant là. Oh Coco. La main ferme, cette fois-ci il a eu. Ah, il aime bien. Il demande la barre. On verra ça au niveau du montage. On demande la barre. Regarde. S'il marque, c'est officiellement terminado. S'il marque pas, j'aurai une chance de réaliser même si je m'attends au but. Il a eu chaud. On l'assume.
Karine, c'est-à-dire que je suis battu deux fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de premier défi, je sais pas quoi. C'est chaud. Cette fois-ci, ça filme, hein. Ça filme, on est d'accord. Ouais, ça filme, c'est bon, là on est ok. Viens dans le cadre, viens, on te voit, voilà, bien. On enchaîne, on est là pour. On enchaîne, vas-y, on enchaîne, ok. Ok, on enchaîne, les gars, on va sur son deuxième défi. Celui qui met plus de buts à remporter. Si je gagne ce défi-là, j'aurai gagné la vidéo, on partira sur le troisième défi tranquillement. Si je gagne ce défi-là, le dernier défi sera le défi en or, sera le défi de celui qui gagnera la vidéo. C'est parti, contre le frappe, contre Idriss, let's go. Je vous rappelle pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne qui connaissent pas un peu le concept, le principe du défi contre le frappe, il est simple. On va centrer, on va devoir contrôler et frapper. Sauf qu'il y a un système de points qui est un peu différent. Si je contrôle, je frappe et que la balle est touchée le sol avant ma frappe, un seul point. Si je contrôle et que je frappe sans que la balle ait touché le sol, c'est deux points. Si je frappe et que je marque en une seule touche, c'est 3 points. Si tu mets un top but, ça vous double. Donc du coup, tu peux marquer jusqu'à 6 points. Mais c'est jamais fini. Alors, à tout moment, il peut avoir un blaaah. Malgré ça, t'es pas très bon en maths. T'as eu quoi comme bac? T'as eu un bac? J'ai un bac. T'as eu quoi? J'ai un bac. SCG. Ouais, c'est ça. SCG, voilà, j'étais sûr, regarde. Il y a beaucoup de pression là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent autour de nous. Et en plus de ça, il mène à 0. Défi. Ça c'est normal, contre le frappe, maîtrise. Je lui mets celui-là, ça va être compliqué de revenir. Mais le troisième, ça va être chaud aussi en vrai. En vrai, ça va être chaud le troisième. Discuter, ou... Ouais, c'est bon, t'inquiète. Les gars, on est quasiment 300 000. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour finir la mission. On est vraiment bientôt, bientôt. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, les gars. C'est comment, c'est un exercice de barre ou... Je dois en mettre 4 sur 5, rien à faire. À part si je mets un top golasse du futur. Ouais, tu sais quoi? On va tout attendre à une touche, comme ça on met des 3 points, pas 3 points. Non, entre eux, il y a ce... Bravo. Bravo, toi, Idriss. Ok, il fait le mec, tranquille. De toute façon, maintenant, on va partir sur le dernier défi. T'as gagné un défi, j'ai gagné un défi. Enfin, techniquement, t'as gagné un, je viens de gagner deux. Mais bon, ça... C'est pas grave. Ah, j'en ai marre, moi. C'est pas grave. Hey, j'en ai marre de toi. Troisième, c'est frappe à 20-25 mètres. Franchement, tout est fait pour qu'il gagne celui-là. Déjà que vous avez vu sa pure remise, ça frappait très fort. Là, ça va envoyer tellement fort, ça va être compliqué à gérer pour le gardien quand ça vient vite. Hein. Parce qu'il suffit qu'il n'ait pas la main ferme, ça rentre. Idriss contre moi, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il va se qualifier? Qui va se qualifier? Personne ne se qualifiera. Mais qu'est-ce qu'il va gagner la vidéo? C'est maintenant. Let's go. Jamais j'aurais mis la main. Jamais de ma vie j'aurais mis la main. Là, on va expérimenter un pointu. Laissez frère. C'est trop frère. Voilà, c'est que j'ai ce poteau et barre transversale, c'est comment? Genre, elle est pas rentrée là. Thank you.
honteux. Ça m'a donné le Covid. Oh, je suis dans sa poche là, c'est bon, je fais rien. Mais pas d'arane. Allez, pas d'arane, allez, c'est bon, allez. Il t'a refait, hein. C'est bon. Oh, oh, oh. Oh, il s'est pas mouché. Oh, il a fait la confiance. Il est confiant. Pas besoin de beaucoup d'élan. Ça s'applique. Allez, tiens, allez, c'est bon, on arrête la vidéo là-dessus. Allez, tiens. Hey, hey. Vraiment, bravo. Tiens, t'en prendras à parler. Ouais, ça y est, on prendra à parler. Ça, la bêtise, le ballon de la Ligue 1. Tiens, prends-toi ta Ligue 1 de Ligue 1. Putain, il parle pas, il s'est dit, vas-y, je parle. Oh là, il a vu, on était en détente, c'est du tiens. Ouais, il dit, tiens. Ça va, en fait. Attends, mais il va se prendre le tout, vas-y, pas. Il va se prendre le tout, t'es fou. Allez, tiens. Mais tiens, allez, allez, tiens. Alors, ça fout, lui. Coupé. Ouais, on s'arrête là-dessus, allez, salam. Bien, dans la vidéo, c'est quoi, tu sors là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Victoire de Idriss, deux défis à 1. Enfin, en vrai, bon. En vrai, deux défis partout. Il en a gagné deux. Il en a gagné deux. Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez faire plaisir, c'est un invité. Vous connaissez. Putain. Les pros, toujours, on les met bien, on les chouchoute et tout. Bah là, bah, tu vois, bravo, bien joué. Bravo à toi, belle victoire. On a failli se faire virer, on s'est embrouillé, on a failli se taper. Franchement, c'était une après-midi, elle était excellente. La caméra n'a pas tourné. À chaque fois que je me déplace, que ce soit à Troyes ou à Strasbourg, dans les petites villes comme ça, on sait pas trop où c'est. À chaque fois, c'est un plaisir. Tu montres un geste technique, faut que tu le reproduises. Regarde, tu fais juste ça, ça. Aïe. Oui, c'est vrai. Tombé. Ça y est. Et c'est bon. C'est approximatif, mais. C'est les premiers, c'est les premiers. Bravo à Coco, Goko. C'est la fin, fallait pas parler. T'as provoqué les mauvaises personnes. Et tu devrais le savoir. Il y a une autre vidéo qui suit avec Idriss. Cette fois-ci, ce sera sur la chaîne Unisport. Cette fois-ci, il va nous parler plutôt de comment jouer numéro 9 en haut niveau avec un gab. Par les taureaux. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao. Et n'oubliez pas de tenter votre chance pour gagner la PS5 et le maillot de votre choix en téléchargeant Lords Mobile qui se trouve directement dans la description. Encore un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo.